J'espère que vous êtes juste comme on se retrouve ici sur la route du Tour de France, juste devant l'arrivée. On se retrouve tout à l'heure contre la montée et la course. Bah, le tour, à tout de suite. Sur cette ligne d'arrivée, le Gaulois 100% français avec la volaille. Bien encore. Avec Skoda, partenaire du maillot vert du classement. Avec ce classement qui est actuellement dominé par Peter Sagan. Skoda au passage sur la ligne d'arrivée. Regardez la. Elle qui vient de remporter 4 succès d'étape sur les routes du Tour d'Italie, Marianne Vos, qui possède quelques dizaines de mètres d'avance à l'entrée dans cette. À la Canadienne Léa Kirchmann pour le team Sunweb et Cécilie Oudroup-Louvig, la Danoise qui va franchir la ligne d'arrivée en. Un petit débrief de cette première partie de course. Ah, ça va être dur là. Mais pour le moment, bon, ça va. C'est 39-40 minutes. 35 celui qui a fait le mieux. Ça va, mais bon, après, il va avoir les meilleurs. Ouais, espérons qu'il y ait un petit français. Julien. Ouais. Ou Thibaut. Ouais, ça serait bien. Oh, Dylan, on va dire un gros débrief. Salut évidemment tous les coureurs avec une autre arrivée cette fois-ci. Absolument, oui, je vous sens à ces vins de grande qualité. Vous pouvez jouer ou quoi? Ce soir, l'hôtel ou le restaurant juste à. Avec Emilio, Riquette! Allez, Riquette!
Allez Alexis. Idéalement placé au classement sur les points de l'arrivée de Dinamo.
La quatrième place provisoire. Eh ben, espérons que Julien Philippe va gagner. Au passage, ou Thibaut Pinot. Pourquoi pas. C'est lent, hein, quand même. Hein. 46 km/h, par contre, c'est pas mal pour Thomas de Rennes. Mais il se donne pas à fond, il y en a certains. Comme le maillot vert. C'était ma foi bien pratique. Le deuxième est Kasper Asvin, troisième Péroscope. Et on assiste à l'arrivée de Dylan Tux. Le courant. Champion d'Argentine de la course en ligne, Maxi Richese, qui se place à la 9e position provisoire à 3 minutes et 28 secondes. Le leader provisoire, voici maintenant bien Dylan. Le coureur français de l'équipe AG2R, celle de Michael Matthews. Michael Web, vainqueur à Rome. Normand va se donner à 100% Corseum dans cet exercice individuel. L'arrivée à l'instant de Mathieu Tracine, le champion d'Europe de la course en ligne, qui porte à l'heure en Suisse, à l'heure de l'étape de vie, marqué par le vent Nicolas Roche. Allez, Nico! Pour l'équipe, c'est maintenant de Guillaume Martin, le jeune vainqueur français. Guillaume! De la formation anti-Gobert, champion du Kazakhstan, Alexei Ostenko, qui a perdu à l'arrivée à de. Voici un tour de la dernière fois, mesdames, messieurs, les amis, les soins, les enfants.
Victor. Qui évidemment conserve son maillot jaune parrainé par. Il y a Sylvain là-bas. Meilleur deuxième du monde. Avant qu'il ne quitte le podium pour quelques mètres. Là, il y a